Bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Il est minuit dans l'horloge du Seigneur. Il est l'heure de nous réveiller, de nous préparer pour le retour du Mashiach. Seigneur, nous bénissons ton nom pour mes frères et sœurs qui sont connectés aujourd'hui. Que ton nom soit béni pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Béni sois-tu, Adonai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, mes amis, nous allons avoir une courte exhortation sur l'évangile du royaume. Nous sommes dans. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1 comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit Voyez-vous bien toutes ces choses Je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge et Jésus répondant leur dit Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant Je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Et donc le Seigneur nous avertit par rapport à la séduction qui va caractériser euh, la période qui va précéder son retour. Cette séduction, on la voit sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan familial, et euh, on voit que le monde est de plus en plus dans la séduction. Beaucoup de jeunes sont séduits pour aller faire la guerre sainte, par exemple, beaucoup de jeunes, malheureusement. Et euh, beaucoup sont séduits pour euh, aller euh, se droguer, pour se droguer. Beaucoup sont séduits pour quitter leur mari, leur femme. Et euh, beaucoup sont séduits pour, euh, pour courir après le ministère dans la chrétienté, traitant euh, les gens qui les ont formés de sorciers, de tous les noms, pour avoir de la popularité, pour avoir quelques billets de banque. Donc on voit vraiment que euh, cette génération est caractérisée par toutes sortes de choses, par des troubles, par des guerres, des rues, des guerres. Et, et, et là, le Seigneur nous dit, ben, il, faudrait, euh, il va falloir que chacun prenne garde. Alors, au verset 14, justement, le Seigneur dit, et, euh, et euh, au verset 14, il dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc l'évangile du royaume, qu'est-ce que c'est eh Vous savez que Jésus-Christ est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et euh, vous savez que l'Église est née et, euh, sous l'Empire romain, qui était à l'époque euh, le royaume le plus puissant de la terre. Et euh, c'est la quatrième bête, selon la prophétie de Daniel 7. Et euh, cet empire, l'Empire romain, et, euh, était très, très large, très étendu, jusqu'en Afrique de, du Nord et euh, au Moyen-Orient, et, euh, et sur presque, euh, sur une grande partie de l'Europe. Et, euh, et là, César, à l'époque, hein, les Césars étaient considérés comme euh, des dieux, comme des divinités. Et euh, selon les Romains, il n'y avait pas d'autre roi que César, il n'y avait pas d'autre royaume que Rome. Et là, les chrétiens, à l'époque, ont commencé à prêcher un évangile disant qu'il euh, y avait un autre roi. Du nom de Jésus-Christ, qui était euh, et qui est le roi des rois, le roi le plus puissant, et, euh, et que ce roi avait également son royaume. Et vous savez que euh, l'avènement du Messie, notamment au 1er siècle, était euh, lié à l'instauration du royaume. Et, euh, et beaucoup des juifs savaient que le Messie n'apparaîtrait pas sans euh, son royaume. Et, et bizarrement, quand Yeshua est venu, il n'a pas comment dire mise en place physiquement installer physiquement son royaume et instaurer physiquement son royaume comme beaucoup l'attendaient d'ailleurs dans Luc chapitre 17 à partir du verset 20 les pharisiens vont poser la question seigneur quand est-ce que le royaume allait venir et le seigneur dira le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard on ne dira pas qu'il est ici ou il est là et il leur dit il leur a dit que le royaume est au milieu de vous voici le royaume est au milieu de vous et bien sûr en sa personne ce royaume-là s'est établi d'abord hein, depuis 2000 ans, depuis la mort et la résurrection de Yeshua. Ce royaume s'est établi dans les cœurs, dans les cœurs des hommes et des femmes qui confessent Yeshua. Et le Seigneur disait dans Jean 3 à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, né d'en haut, né euh, euh, par, euh, né d'eau et d'esprit, eh tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est d'abord un royaume spirituel. C'est un royaume qui se caractérise par euh, euh, la justice selon euh, euh, Romain chapitre 1. Euh, euh, 14 à partir du verset 17, par la justice, par la paix, par la joie, parce que Dieu est juste. C'est quand la justice du Seigneur vient s'établir dans le cœur de quelqu'un, c'est là que le royaume commence à se manifester. La justice, c'est tout ce qui est juste, tout ce qui est équité, euh, équitable, tout ce qui est intégrité, tout ce qui est honnêteté, et, euh, tout ce qui est bonté euh, morale, euh, toutes ces vertus, euh, mes amis, euh, telles que l'amour, telles que la joie, telles que la paix, la paix avec Dieu, la paix du cœur, c'est-à-dire l'assurance. Du salut, la paix avec les vrais enfants de Dieu qui, qui procurent la paix également. Et, et cet évangile du royaume, euh, mes amis, a été proclamé d'abord par Jean dans Matthieu chapitre 4, dans Matthieu 3, pardon, et ensuite par Jésus-Christ quand il disait tous les deux Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Et cet évangile du royaume, mes amis, est proclamé par, par la puissance du Saint-Esprit. Et euh, Paul dit dans 1 Corinthiens 20, « Car le royaume de Dieu ne consistait pas en parole, euh, mais en puissance. C'est la puissance qui déracine des les œuvres de l'ennemi, parce que le royaume est puissant, parce que les, le, le royaume est glorieux. Donc c'est un royaume qui euh, est en perpétuelle contradiction avec les royaumes de ce monde, Et, bien évidemment. Et le Seigneur disait à, à, à Pilate dans Jean 18, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc nous comprenons déjà que les sujets du royaume de Dieu ne sont pas euh, de ce monde. Le Seigneur disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Vous ne, vous, vous ne manifestez pas les euh, œuvres du monde. Vous ne vivez pas selon le monde. Donc le royaume de Dieu, mes amis, ce n'est pas euh, euh, cet évangile qui vient des États-Unis ou qu'on qu nomme uh, The Kingdom Now, le royaume maintenant, qui veut que les, des chrétiens commencent à vivre comme des milliardaires comme des pachas euh, en ayant des belles voitures, des belles villas, euh, tout ça. Ce n'est pas cet évangile-là, c'est l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas ce royaume-là parce que le Seigneur a dit clairement que le royaume céleste, son royaume, n'est pas de ce monde. Et justement, les vrais sujets du royaume de Dieu sont étrangers selon Pierre 2 et voyageurs sur la terre. Ils sont persécutés parce qu'ils désirent une cité qui n'a pas été construite par les hommes selon Hébreu, une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est la cité céleste. C'est la, 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 la science céleste. Ce royaume-là, mes amis, ce royaume céleste euh, se manifeste dans la vie des hommes et des femmes qui confessent Yeshua sur terre par la justice, par l'amour, par la paix, par la joie, par la simplicité, par la persévérance, par la persécution aussi. Parce que quand on est dans le royaume de Dieu, on est persécuté par les hommes de ce monde parce qu'eux, ils sont dans le royaume de l'autre, dans le royaume de, 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 de notre ennemi, c'est-à-dire le diable. Parce que la parole nous dit que le monde entier est plongé dans le mal. Donc l'évangile du royaume, c'est l'évangile que nous devons prêcher. L'évangile que nous devons prêcher, pas cet évangile sur l'argent, sur le matériel, sur les ministères. Euh, voilà, il faut chercher le ministère pour être reconnu, pour être accepté. Ce n'est pas l'évangile qui pousse les gens à construire des bâtiments qu'on appelle l'église, parce que l'église a déjà été construite. Jésus a bâti son église. Plus personne ne va bâtir une quelconque église, parce que nous sommes déjà, mes amis, bâtis. Et Dieu, lorsque les gens se convertissent à Christ, à Jésus-Christ, eh le Seigneur Dieu, notre Père, les place, hein, les positionne dans ce corps. Qui est le corps de Christ, parce que c'est Dieu qui en est l'architecte. Voilà, mes amis. Donc, euh, ce n'est pas cet évangile qui veut que des chrétiens cotisent, cotisent des millions pour construire les églises de soi-disant, alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19. Donc, euh, nous devons plutôt proclamer le royaume. Le royaume de Dieu est vaste. Le royaume de Dieu, mes amis, n'a pas de limite, n'est pas, de, de, pas limité par l'espace, ni dans l'espace, par le temps, ni par, ni dans le temps. C'est un royaume qui englobe toutes les nations qui confessent Yeshua, toutes les, tous les hommes et les femmes issus de toutes les nations, y compris Israël. Des hommes et des femmes qui reconnaissent que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, leur Dieu, le chemin, la vérité, la vie, et le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, qui revient. Donc ce sont des gens dont la vie est soumise au principe du royaume de Dieu, c'est-à-dire la, la paix, la joie, l'amour, la... la, 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 la L'honnêteté, euh, la, 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 la crainte de Dieu, hein, la, la, la sanctification, la sainteté, ce sont des gens qui reconnaissent la seigneurie de Jésus-Christ, qui sont soumis à la seigneurie de Yeshua. Ils reconnaissent qu'il est le Seigneur de, des Seigneurs, le Dieu des Dieux. Et, et c'est ça le royaume. C'est des hommes et des femmes qui vivent simplement sur terre, que l'on peut par, parfois mépriser parce qu'ils ne sont pas forcément, mes amis, attirants selon les, les hommes de ce monde. Et parmi ces sujets du royaume, vous avez des, des apôtres, vous avez des prophètes, vous avez des pasteurs, vous avez des diacres, vous avez des anciens, vous avez des frères et sœurs qui ont le don de guérison, qui ont le dons de délivrance, hein, des miracles, de gouverner, de parler plusieurs langues, tout ça. Vous avez tout ce monde-là, mes amis, et ils sont un en Christ, et ils avancent suivant l'évangile véritable. Et le Seigneur nous dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le, toute la terre habitée. Et c'est ça, mes amis, euh, euh, la condition aussi avant que Yeshua ne revienne. L'évangile du royaume doit être proclamé. Et, et cet évangile est basé sur la croix. L'évangile du royaume, c'est la croix, tout simplement. C'est la croix. Parce que le royaume, c'est quoi Le royaume, c'est la domination. Le royaume, c'est la puissance. Comme Ésaïe 9, 5 le dit, un, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et, euh, et, et on nous dit que et, euh, la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est ça le royaume. La domination, c'est le royaume qui vient écraser les œuvres des ténèbres. Là où le royaume arrive, eh c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Le Seigneur disait aux pharisiens, si c'est par l'Esprit le, si de Dieu ou par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Donc là où le royaume arrive, les démons sont chassés, les, les malades sont guéris. Selon la volonté du Seigneur, bien sûr, mais en tout cas, les démons sont chassés, les malades sont guéris. Il y a plusieurs types de maladies, euh, physiques et spirituelles. Tout ça, la psychologique et euh, morale. Et le Seigneur, quand le, à, à, il arrive avec son royaume, eh bien, les gens sont guéris, les gens sont restaurés. Et euh, aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent beaucoup plus sur leur bâtiment d'église, sur leur ministère, sur leur propre vision, sur leurs assemblées. Ils vont évangéliser, non pour amener les gens dans le royaume de Dieu, mais pour les amener dans leur bâtiment d'église. Alors que le Seigneur nous a appelés à pro proclamer l'évangile pour que les gens découvrent le royaume de Dieu qu'ils découvrent le lion. Là, c'est le lion de la, de la tribu de Judas qui est prêché. C'est ça l'évangile, l'évangile du royaume. Le lion est le roi des animaux. Le, le lion est le héros des animaux. Le lion, mes amis, euh, quand il rugit, tous les animaux tremblent. Et c'est ça l'évangile du royaume. C'est le rugissement du Seigneur. C'est son autorité. C'est sur le péché, sur la maladie. Là où l'évangile du royaume est vécu, eh bien, le péché est dominé. Le péché est vaincu. C'est ça l'évangile du royaume, mes amis. Quand on a l'évangile du royaume, quand on a compris le royaume, eh bien, on ne va pas, mes amis, euh, juger les chrétiens en fonction de leur dénomination. On n'est pas dans l'écuménisme ni dans le syncrétisme. Mais celui qui a la vision du royaume comprend que eh s'il a affaire des chrétiens qui ne sont pas forcément de son pays, mais s'ils aiment Jésus, s'ils le craignent, eh bien, ils sont ses frères et sœurs. Et c'est ça l'évangile du royaume. Nous nous, reconnaissons parce que nous nous reconnaissons en tant que frères et sœurs parce que nous portons le même nom, le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc c'est un évangile qui est contre les qui va à l'encontre des dénominations, qui veut que euh, ces dénominations veulent que les gens se reconnaissent euh, entre eux par rapport au nom de, dén... au nom de leur dénomination, hein, les baptistes avec les baptistes, les panthégotistes avec les panthégotistes, les catholiques avec les catholiques, alors que quand on est membre du royaume de Dieu, on comprend que toutes ces dénominations n'existaient pas selon Dieu, hein, dans, le... dans son royaume, nous sommes un seul peuple. Comme la parole le dit dans Ephésiens 6, il y a un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance, un seul corps. Et un seul baptême. Et c'est ça la réalité, mes amis. C'est l'évangile du royaume. Ce n'est pas l'écuménisme, mais c'est un peuple qui marche selon la parole du Seigneur, un peuple uni, un peuple qui marche dans l'amour, dans la sainteté, dans la vérité. Et c'est ça euh, ce qu'il faut comprendre euh, par rapport à l'évangile du royaume. Et ce royaume-là. Mes amis, viendra un jour physiquement sur terre, sera instauré sur terre pendant mille ans, selon les Écritures, selon 2 Samuel 7. Dieu a promis ce royaume à David. Selon, euh, il a dit à David que son, son, son fils euh, allait régner sur le trône pendant euh, l'éternité, éternellement. Il parlait bien sûr de, du, du machia. Hein? Et euh, Apocalypse 20 nous dit que ce royaume sera établi sur terre pendant mille ans, mille ans de paix, mille ans de bonheur, mille ans de joie. Et c'est le royaume à venir. Nous le vivons présentement sur terre par, euh, par la puissance de Dieu, par l'amour, par la justice, mais euh, par la persécution aussi, dont nous sommes l'objet de la part des religieux, de la part des hommes de ce monde qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Et ce royaume, bien sûr, sera instauré sur terre pendant mille ans. Et c'est ça le message qu'il faut annoncer aux gens. Il faut leur dire, justement, que vous voyez, la terre va mal, les nations vont mal. Eh bien, il y a un royaume qui arrive, un royaume de paix un royaume de paix universel, un royaume de repos, de, de quiétude, de bonheur, qui sera sur terre pendant mille ans. Et après ce mille, ce mille ans, nous serons dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Et c'est ça l'évangile que nous devons, nous devons proclamer, plutôt que de prêcher nos bâtiments, des constructions de bâtiments, parce que ça ce n'est pas l'évangile mes amis. On ramène encore les gens à l'époque de Salomon, où le peuple devait cotiser pour construire des bâtiments. Ce n'est pas ça le message que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché. Ils ont prêché le royaume. Paul le dit dans acte chapitre 20 il dit qu'il a passé plusieurs années et euh, au milieu des chrétiens pour leur annoncer l'évangile du royaume et euh, voilà il n'a pas dit qu'il a passé euh, plusieurs, plusieurs années avec eux pour leur annoncer la construction des bâtiments d'église nous sommes dans acte chapitre 20 et euh, verset 25 qu'est-ce que Paul nous apprend ici mes amis et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur a donné un ordre. Cet évangile du royaume doit être prêché hein, dans toutes les nations. C'est un ordre. Donc, comment peut-on reconnaître un vrai pasteur, un vrai prédicateur, un vrai enfant de Dieu Eh bien, en prêchant le royaume, en vivant ce royaume. C'est ça le message. Je voudrais encourager tous les pasteurs, tous les chrétiens, tous les prédicateurs, euh, toutes les femmes qui annoncent l'évangile, euh, qui aiment le Seigneur, à se réveiller, à quitter le système des hommes, euh, tous ces systèmes, à prêcher le royaume de Dieu aux gens de ce monde. Et à ne pas les focaliser, à les amener à se focaliser sur la terre, sur la construction des bâtiments d'église, mais à les amener plutôt à se focaliser sur le Seigneur. Et quand on prêche le royaume, on le vit. Et quand on vit le royaume... Mes amis, on le prêche. Et quand on vit le royaume aussi, et euh, mes amis, on ne va pas contrôler les gens en les enfermant dans une maison qu'on appelle l'église ou dans un bâtiment. On leur dit, après les avoir enseignés, allez vers le Seigneur, comme Jean l'a fait avec ses disciples, comme Paul l'a fait ici. Il a dit aux chrétiens d'Éphèse, vous ne verrez plus mon visage. Nous devons être capables de dire aux frères et sœurs, vous avez été formés, maintenant, servez le Seigneur, allez servir le Seigneur, mais ne gardez pas les gens dans vos... Dénomination dans votre vision, laissez les gens aller servir le Seigneur comme Dieu les conduit au nom de Yeshua. Et si deux ou trois, quatre personnes, cinq sont appelées à être avec vous jusqu'à la fin de votre service terrestre, que Dieu soit béni, mais il faudrait que les frères et sœurs comprennent que nous sommes membres d'un royaume au nom de Yeshua. Et quand on est membre d'un royaume, on se soutient mutuellement, même si on ne se connaît pas physiquement. Mais si j'apprends qu'un frère, une sœur, quelque part, fait un travail qui honore Dieu, et s'il craint le Seigneur, cette femme eh ben, ou cet homme, eh ben, je dois le soutenir dans la prière financièrement, matériellement, et, euh, au nom de Yeshua. Et c'est ça le royaume. Que Dieu vous garde, mes amis. Le roi revient bientôt. Nous vous disons. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse en toutes choses. Au nom de Yeshua, à bientôt sur TV et Radio de Vie. Amen. Thank <small noise> you.